Salut les abonnés, c'est Inès Baby Reborn et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de maman. Coucou les abonnés, bonjour tout le monde, bonjour les enfants du monde entier. Ensuite nous sommes en compagnie des Reborn, donc je vais vous faire le tour et puis après je vais vous dire en quoi consiste cette vidéo, même si vous l'avez déjà remarqué au titre. Oui. Alors là nous avons Jimmy. Bonjour Jimmy. Ensuite, nous avons Sabrina. Bonsoir Sabrina. Oui, c'est bon, je dis bonjour, mais on est plus en fin d'après-midi. Oui. Donc là, on les a habillés en Noël. Mm-hmm. Donc là, il a un petit peu avec le Père Noël. Voilà. Bon, certains abonnés l'ont déjà vu, mais on reprécise. Voilà. Ensuite, Sabrina, c'est un lutin. Voilà. Il faut peut-être baisser quand même pour bien faire voir. Voilà. Ensuite, nous avons la belle petite Sarah. Mmh. Donc pareil, un lutin. Elle a un body et des couleurs en noir. Mmh. Avec un petit nœud. Voilà. Trop belle. Ensuite ici, nous avons Elisabeth. Elisabeth. Donc elle a, normalement si vous avez vu la vidéo où, où ils étaient tous en Noël, on vous avait dit que la robe c'était une ancienne robe de Nina. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, ça lui va à elle. Donc voilà, après elle a un petit serre-tête. Mm-hmm. Toute belle. Toute belle. Ensuite, juste à côté, nous avons Mao. La jolie petite Mao. Donc trop pareil, mignonne. Avec une robe à dentelle. J'aime trop. Trop belle. Ensuite, là, nous avons le petit Père Noël. Notre Adam. Petit Adam. Il lui manque la barbe. Oh ouais, on aurait pu la trouver. On peut en faire une. Avec du coton. Ouais. Ensuite, nous avons Charlotte. Charlotte qui est à l'aise sur la chaise. Donc pareil, celle-ci c'était une ancienne robe de Nina. Ouais, c'est vrai. De Noël. Mmh, trop belle ma petite Charlotte. Et ensuite, ici, nous avons Laetitia. Laetitia. En Mère Noël. Toute sage. Voilà. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo dans le thème de Noël. Mm-hmm. C'est un peu passé, mais... Comme on a pris du retard. Voilà. Et qu'on avait promis aux abonnés. Voilà, on vous l'avait promis. Donc, nous, quand on promet, on le fait. Donc, c'est la vidéo où ils vont ouvrir les cadeaux de Noël. Voilà. Allez, go alors. Go. On y va. Tous les cadeaux des Reborn et le joli pull d'Inès aussi. Oui, je sais pas si vous l'aviez vu dernièrement, mais joli bus Noël avec un sapin là, avec un renne, un sapin. Ah ouais, j'avais même pas vu le renne. Oh, bah alors, je l'avais pas vu. Ouais, j'adore ton pull, ma chérie. Moi aussi, donc voilà, on a tous les cadeaux ici et moi je propose. Je distribue les cadeaux à chaque Reborn et après bon, on les ouvre petit à petit. Allez, on y va! Donc
c'est deux cadeaux. Il y en a un pour Lily Rose et un pour Myriam. Mais ça, c'est des futurs rebonds qui vont arriver bientôt. Voilà, que je dois faire, mais que j'ai toujours pas le temps. En plus, j'ai repris le travail voilà. Avec les petits, les vrais. Et du coup, je vais quand même utiliser les pièces de mon activité pour faire des vidéos comme on vous a promis. Voilà. Alors, on va déballer tout ça? Oui, d'abord on va déballer celui-là de Lily Rose et Myriam. D'accord. Parce que bah, comme c'est pas des rebonds qui sont encore là. Ok. Et après on va déballer et on va faire le tour. Ok, voilà. Allez, on est prêt. On veut voir, on veut voir, on veut voir. Donc, on va prendre celui-là de Lily Rose. Alors. Lily Rose. Elle n'est pas encore née. Non. Elle a déjà des cadeaux. Ouais. Oh, son petit futur doudou. Voilà. Trop choupi. Un petit chat. Oh, trop beau. Alors, déjà un cadeau déballé. Ensuite, le cadeau de Myriam. Le cadeau de Myriam. Je me souviens plus ce qu'on avait emballé. En fait, on a tout emballé avec Nina. Ah, pour oui. Vous, les abonnés. Cette jolie donc mise même nous c'est un peu la surprise en fait. Oui voilà. Voilà. Oh trop chou. C'est une vache. Ouais. Ouais. Elles font de jolis doudous maintenant. Voilà. Trop mignon. Donc ça pour Myriam et Lily Rose. Et Lily Rose. Voilà deux petites filles qui vont bientôt arriver. Voilà. Trop beau. Donc alors on va continuer avec les cadeaux de Sabrina puis après on va continuer à faire le tour. Ok. Et voilà. Je sais même plus ce qu'on lui avait emballé. Emballé. On verra. On veut voir. On veut voir. Surprise. Ah oui. C'est une petite tétine. Jolie tétine. Violette. Voilà. Ça ressemble à un hibou, je crois. Enfin, je crois. Oui, un hibou fille. Oui. Donc voilà. Alors Sabrina, elle, elle a deux cadeaux. Alors. Du favorisme. Comme il dit Adam. Du favoritisme. Ah oui. Ah oui, ça c'est parce qu'on devait lui donner depuis un moment. Lui essayer, on l'a toujours pas fait. C'est joli. Non, c'est vraiment, c'est tout neuf, hein, c'est ouais. Tout neuf, mais ça fait longtemps. Bah, c'était au printemps passé, je l'ai retrouvé dans le cellier. Voilà. Du coup, des fois on achète à l'avance quand c'est soldé. Et puis bah, on a oublié de faire une vidéo avec. Oui. Voilà. Ensuite, Jimmy. On a le petit Jimmy. Yeah. Alors. Mais c'est ça qui est bien que tu saches plus. Ah oui. Jimmy, lui oh, aussi trop choupi. A eu une tétine. Un éléphant. Une tétine en éléphant. Bravo Jimmy. T'es content. Ensuite, le cadeau d'Elisabeth. Petit magazine abricot. Oh, elle va être contente, elle adore lire, Elisabeth. Oui. On en a plein des petits magazines comme oui, ça. Oui, c'est abricot. Pour mon travail. Hein. Oui. Et du coup, bah, on s'en sert aussi pour. Ça, je raconte des histoires, hein, mais je vais les arrêter hein, parce qu'après, hein. Ça va faire trop de livres. On en a un petit peu beaucoup. Oui. Je crois qu'on a. Vous voyez les cartons de déménagement? C'est ça. On va en avoir plein de comme ça. Maman. Peut-être deux cartons remplis, peut-être. Donc voilà. Ensuite, Mao. Mao.
petit hochet. Yeah. Bah ouais, on a demandé plein des hochets au Père Noël. On aime bien les hochets. Oui. Voilà pour Mao. Voilà, elle a déjà adopté. Ouais. Ensuite, pour le petit Adam. Adam, c'est... Oh, le... les jolis livres. Voilà, des livres. Ça, c'est des beaux cadeaux, ça. Adam, il aime bien tout ce qui est animaux et tout. Voilà, Polo le poney, Hector le chien. Voilà. Il a dit merci. Ensuite, pour Charlotte. Pour Charlotte. Comme Elisabeth. Voilà. Abricot, tous au carnaval. C'est celui de ce mois-ci. Ouais. Ah, vive le carnaval, vive le printemps. Il faut savoir que Charlotte et Elisabeth, elles adorent ces petits magazines abricots. Voilà, et comme ça on va raconter des petites histoires. Voilà. Et ensuite, faut pas l'oublier, Laetitia. Laetitia. Il y a eu un serre-tête. Voilà. Eh bien, ils ont été bien gâtés, ces enfants, Inès. Oh là là. Maman. Oui. Faut que tu me servies encore, Sarah. Ah, c'est vrai. Donc, nous avons oublié Sarah. Oh. Oh, elle est trop mignonne. Ta première reborn. Oui. La première reborn de Inès. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que c'est pour Sarah? Il y a beaucoup de papier et de scotch. Alors pour celles qui viennent d'arriver, les nouvelles abonnées, les nouveaux abonnés, Sarah, on l'a acheté sur le blog des Berceaux des Anges. Voilà. C'est une femme qui les fabrique. Bon, elle ne fait plus des comme ça, elle fait au corps entier. Bon, c'est assez cher, mais c'est le prix d'un reborn. Nous, on verra si on en commande un jour un. Parce qu'Inès, son rêve, c'est d'avoir un au corps entier pour le baigner. Oui. Parce que ceux-là, on ne peut pas les baigner, mais on peut laver quand même les cheveux. Ouais, voilà. Et donc, Sarah vient, sans faire de pub, hein, mais pour les curieux et les passionnés de reborn, du blog, vous allez sur le blog des Berceaux des Anges. Voilà, vous tapez sur internet et normalement vous cliquez sur le premier lien et puis voilà. Enfin, ça dépend parce que des fois quand on va sur le Berceau des Anges, on tombe sur un film, sur des films ou je sais plus quoi. Mais il faut noter blog le Berceau des Anges. Et la dame, elle s'appelle comment déjà? J'ai oublié. Christine, je crois, c'était qui crée les reborn. Voilà. Voilà. Donc Sarah, elle a eu deux tutus. Yeah. Voilà. Bravo et bien tous les cadeaux. Voilà, voilà. Maintenant, il va falloir tout ranger. Et maintenant, il n'y a plus qu'à tout ranger. Et la prochaine vidéo, on vous fera une vidéo sur où on achète les reborn. Comment vous pouvez les fabriquer vous-même. Comme je l'ai toujours dit, c'est une passion et c'est un peu de l'art. C'est de l'art d'ailleurs. Oui. Surtout certaines le font très très bien. Les poupées reborn, c'est des artistes, mais des vrais. Hein, nous, on fait ça comme ça. Et du coup, on vous montrera certains blogs et là où on achète tous nos reborn. Voilà. On a beaucoup de vidéos qu'on va préparer, donc juste après celle-là. Mm-hmm. Normalement, quand elle sera postée la vidéo, on sera déjà en train de continuer à faire une autre vidéo pour la chaîne. Mm-hmm. Pour recontinuer à essayer de faire une vidéo par jour, parce que ça vous plaît d'avoir beaucoup de vidéos et tout ça. Oui, parce que comme on est beaucoup absente, là, les abonnés sont pas contents. Hein. Mais vous inquiétez pas, on sera toujours sur YouTube. Voilà. Et voilà, donc on a beaucoup de vidéos.
en tête. À rattraper. Voilà. On ne vous en dit pas plus. Ça sera la surprise chaque jour. Et puis voilà. On espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous le cadeau que vous avez préféré. De tous. Oui. Voilà. Et puis nous on vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Voilà. Et dites-nous si Inès vous l'a trouvé jolie avec son joli chapeau. À bientôt les abonnés. À bientôt. Bye. Bye.